la notion de voyage, la notion, je dirais, d'aventure, elle est fondamentale dans le panafricanisme. Vous ne pouvez pas être un militant panafricaniste si vous n'aimez pas voyager. Voilà, si vous n'aimez pas prendre le bateau, l'avion, le train, marcher, etc. Ça fait partie de manière intégrante du panafricanisme, le voyage. Pour voir ce qui se passe ailleurs, pour voir quelle est la situation des Noirs, des Africains ailleurs. Et donc Garvey va voyager en Amérique centrale, Panama, Costa Rica, Belize, enfin Honduras britannique à l'époque, Venezuela. Et on est à l'époque d'un peu après la construction, période de la construction du canal de Panama. Et il constate que partout où il passe, les Noirs sont ceux qui sont les plus marginalisés, qui occupent les emplois les plus précaires, et ainsi de suite. Donc à chacune de ces étapes, il crée également un journal. La Nacionale et la Prensa, au Costa Rica notamment. Et après ce premier voyage dans la Caraïbe, il revient donc en Jamaïque, à la veille de la Première Guerre mondiale, et avec... Enfin, il revient en Jamaïque un petit peu avant donc, la Première Guerre mondiale. Et il rencontre donc Amy Eshoop Garvey, qui deviendra ensuite sa première épouse un peu plus tard. Et il va entreprendre un deuxième voyage en 1911-12-13, qui va le mener en Europe. Et en Angleterre notamment, il va se former avec un personnage très important qui s'appelle Dussé Mohamed Ali, qui est une des figures fondatrices du panafricanisme, qui était d'origine égyptienne et soudanaise, et qui a créé le premier grand journal panafricain, qui s'appelait The African Times and Orient Review. Ce qui montre que le panafricanisme à cette époque-là, certes on le conçoit comme quelque chose d'américain, diasporique, transatlantique, mais le panafricanisme à cette époque-là, il se concevait en regardant vers l'Orient, vers ce qui se passait au niveau de ce qu'est aujourd'hui la péninsule arabique. The African Times and Orient Review. Donc on regarde vers l'Orient. Dussé Mohamed Ali, depuis l'Égypte, qui était une base essentielle de la pensée politique africaine à cette époque-là. Et qui était donc basée, ce journal était basé à Londres. Donc, dans ce journal, qui était aussi internationaliste, Garvey va découvrir la politique internationale, il découvre la situation également des Irlandais, qui sont colonisés à l'intérieur du Royaume-Uni. Voilà, donc un peu entre guillemets les nègres blancs du Royaume-Uni. Il découvre également les luttes populaires qui sont menées dans l'Égypte à la période du Waft et également dans, au niveau du Soudan. Et il élargit un peu ses lectures, il découvre les nationalismes européens, Bismarck, également au niveau des nationalistes qui se mettent en place en Europe centrale, qu'au Sud par exemple. Et il développe également son style, on va dire vestimentaire, un peu impérial. Donc le nègre au chapeau, cette posture très imposante, très noble, très digne, qui le fait passer dans certains endroits où il voyage en Europe pour un roi africain. C'est-à-dire que dès que les gens en Europe voyaient un noir bien habillé, c'était forcément un roi. Voilà, donc partout il passait, ah mais vous êtes un roi, etc. Donc c'est là aussi que la fibre, on va dire, des titres apparaît. Puisque dans l'empire qu'il va fonder, il va se donner donc, le titre d'empereur, il y aura des ducs du Zambèze, il y aura des titres de noblesse qui seront mis en place. Et donc, à la veille de la Première Guerre mondiale, il retourne en Jamaïque, et donc là, avec Amy Eshoop, qui l'enlève littéralement à son père, ils vont fonder l'UNIA. Ça ne va pas trop bien marcher au départ, ce sera même plutôt un échec, donc ils l'ont fondé à deux, ce sera un échec en Jamaïque. Et qu'est-ce que l'UNIA, ça veut dire quoi? Alors c'est Universal Negro Improvement Association, ça c'est la première formule, et quand ça va être refondé, ce sera en ajoutant African Communities League, donc la Ligue des Communautés Africaines. Et cette deuxième partie, Ligue des Communautés Africaines, elle est pour moi beaucoup plus significative que la notion d'universalisme noir, d'universalisme nègre. Et donc, en 1914, Garvey, il se cherche un peu, professionnellement parlant. Il a le projet de créer une école en Jamaïque. Et comme modèle de son école, il pense à Booker T. Washington, qui a créé l'Institut Tuskegee en Alabama, qui est un institut, donc, comme je le disais tout à l'heure, où forme des professionnels, des Noirs qui maîtrisent les métiers industriels, les métiers techniques, qui savent faire des choses de leur dix doigts. Voilà, c'était un peu ça. Autant Du Bois disait, il nous faut un 10%, un dixième de talent,
Autant Washington disait il faut que les Noirs sachent se servir de leur dit droit. Et de cette manière-là, eh bien, ils pourront travailler de manière égale à égale avec les Blancs. Et Garvey décide de partir aux États-Unis. Il prend le bateau, il arrive en Floride, il remonte un peu sur New York, puis il redescend vers le sud. Sauf qu'entre-temps, Booker T. Washington est décédé. Donc il a fait tout ce travail-là pour voir quelqu'un qui décède. Pareil, bon, on peut se poser des questions. Pourquoi Booker T. Washington est décédé avant de recevoir Garvey? On peut se poser des questions, puisque le FBI travaillait déjà dès cette époque-là. Et du coup, Garvey en profite pour voyager dans le sud des États-Unis. Il est plusieurs fois menacé d'être lâché, etc. Il sent que ça sent vraiment pas bon aux États-Unis. Il revient en Jamaïque, puis ensuite il repart s'installer à Harlem. Et là, on est vraiment dans le boom de la fin des années 1910, la Harlem Renaissance. Langston Hughes, Claude McKay, tous ces artistes intellectuels qui font de Harlem le lieu de renaissance de la culture noire. Et dans ce contexte culturel précis, il va réimplanter l'UNIA en plein cœur de Harlem. Et ils vont faire vraiment l'organisation la plus puissante en la développant également du point de vue entrepreneurial, donc en ouvrant notamment des usines, des restaurants, des clubs, et également donc en lançant une compagnie de navigation maritime, la Black Star Line, qui avait pour objectif de mettre en relation directe des entrepreneurs africains et des entrepreneurs de la diaspora africaine. Voilà, des liaisons directes par bateau Afrique-Amérique-Caraïbes, sans passer par l'Europe. Donc il achète des bateaux, il lance une compagnie, bien évidemment, ses activités vont alerter le FBI, Edgar Hoover. On va également court-circuiter le projet qu'il avait de retour au Liberia, qui est très important et très intéressant. Garvey voulait rapatrier le maximum de personnes possibles vers le Liberia dans le cadre d'un projet de développement agricole. Et là aussi, c'est très important parce que souvent, quand vous parlez panafricanisme, quand vous parlez de Back to Africa, les gens qui ne sont pas de votre avis, on connaît ce qu'ils sortent. Ils disent « Oui, mais regardez Haïti aujourd'hui. Oui, mais regardez comment le Liberia, ça s'est passé, ça s'est mal passé, etc. » Oui, le Liberia s'est mal passé parce que des forces ont voulu que ça se passe mal. Voilà, des forces qui n'avaient pas intérêt à ce que ça se passe bien ont fait en sorte que ça soit mal passé. Donc quand le Liberia est créé en 1822 comme colonie, comme territoire, le projet n'est plus de laisser les Noirs organiser eux-mêmes leur rapatriement, mais de sélectionner des Noirs aux États-Unis qu'on enverra pour coloniser le Liberia. Donc c'est pensé comme un projet colonial par les autorités américaines, qui se sont emparés en fait du projet autonome des militants panafricains de l'époque, qui envisageaient par leurs propres moyens, c'est-à-dire par leurs propres bateaux, de retourner en Afrique et de se réinsérer dans le tissu social africain qu'ils avaient quitté, en sachant que pour certains, il n'y avait qu'une génération d'écart entre l'ancêtre qui avait été déporté et eux-mêmes. Certains revenaient parce que juste leur grand-père avait été déporté, eux sont nés en Amérique, ils veulent revenir, donc ils ont encore des grands-oncles, des oncles, etc. Ils sont connus. Donc c'est des éléments très importants. Donc c'est cela aussi qu'on a empêché d'une certaine manière de retourner. Et donc dans les années 20, quand Garvey veut relancer ce projet, il veut le relancer sous la forme vraiment d'un état fort. Il explique que le Liberia est endetté, que le Liberia dépend des multinationales et que lui, à travers son organisation de plus de 6 millions de personnes, il a les moyens de lever des fonds et d'assurer la rentabilité économique du Liberia, rendre cet État totalement souverain et indépendant vis-à-vis des banquiers américains et vis-à-vis des compagnies américaines qui exploitent le territoire. Donc on est dans un contexte non pas juste de colonisation et de back to Africa, mais de guerre économique et commerciale. Et bien évidemment, donc les autorités françaises et britanniques, puisque le Liberia, bien qu'étant indépendant et frontalier avec la Guinée-Conakry et la Sierra Leone, donc est frontalier avec en réalité la France et l'Angleterre, vont alerter les autorités américaines en disant « Attention, ce monsieur, Garvey, c'est un monsieur dangereux. Hein, son projet de ramener des Africains en Afrique, c'est dangereux. » Et ensuite, ils vont interpeller le président du Liberia en disant « Ce monsieur, Marcus Garvey, il vient pour prendre votre place. C'est les gens de la diaspora qui viennent prendre votre place. » Alors que lui-même était de la diaspora. Donc on voit bien en fait comment on va également monter les gens les uns contre les autres, faire en sorte que tout échoue, alors que d'un point de vue, je dirais, de la planification, le projet était, je ne vais pas dire parfait, mais très bien pensé. Et il aurait pu fonctionner. Sauf qu'il touchait à des intérêts qui ne voulaient pas être dérangés. Donc on va coller à Garvey une affaire de fraude fiscale.
Hein, on va l'emprisonner dans un pénitencier, puis on va l'expulser vers la Jamaïque. Et quand il est expulsé de Jamaïque, en quittant le port de la Nouvelle-Orléans, il fait une déclaration sur le bateau très, théâtrale. Voilà, un peu comme Toussaint Louverture, en m'enlevant, vous pensiez avoir arraché l'arbre de la liberté, mais ses racines sont nombreuses et elles repousseront, etc. Faites cette déclaration, regardez vers l'Éthiopie, lorsqu'un roi sera couronné, ce sera la rédemption, etc. Et il dit ça un peu comme ça, donc il arrive en Jamaïque, il tente de relancer son organisation en Jamaïque, ça passe pas, parce que la Jamaïque est fondamentalement néocoloniale, et la Jamaïque est également dans ce processus, on va dire, de déni. C'est-à-dire que les personnes à la peau noire, comme Garvey, on n'en veut pas trop. On préfère des mulâtres, des gens teint clair, etc. Et il y a eu cette problématique aussi avec Du Bois. Et donc, il n'est pas très bien accepté, on va dire, par l'élite jamaïcaine, justement, mulâtrisante, on va dire. Et donc, il va ensuite partir en Europe. Il va tenter un moment de se réinstaller au Canada, à Toronto. Ça ne va pas trop bien marcher, même s'il a encore laissé des antennes ici ou là. Et ensuite, il va repartir en Angleterre. Et les circonstances de sa mort sont assez terribles. En 1935, donc, il s'engage par rapport à la question de l'Éthiopie, mais il y a des couacs avec Haïlé Sélassié. Et en 1940, il meurt en deux temps. Alors, l'une des légendes, bon, il y a beaucoup de légendes aussi, l'une des légendes dit qu'en fait, il est mort en apprenant sa propre mort. Parce qu'en fait, il était malade depuis quelques temps, et il y a un journal qui a publié en une « Marcus Garvey est mort ». Et donc lui, il a reçu le journal comme quoi il était mort chez lui, et ça l'a d'autant plus frappé que dans les sources que le journaliste utilisait pour assurer qu'il était mort, il y avait la propre femme de Garvey. Voilà, donc ça l'a frappé. Et quelques temps après, effectivement, il est décédé, bon là encore dans des conditions mystérieuses. Bon, il y a tout un... Qu'on dit, il y a tout un développement, il y a toute une enquête policière autour de la mort de Garvey, de la manière dont il est mort dans des conditions très misérables, alors que au XXe siècle, c'est probablement celui qui a fait lever le plus de foule dans le monde entier. 6 millions de membres dans l'UNIA, à une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vous défie de trouver une page d'organisation africaine ou panafricaine où il y a 6 millions de likes, il n'y en a même pas, alors que c'est très facile de liker. Ben, lui, à l'époque, il avait 6 millions de membres, alors que les gens, ils devaient se déplacer d'un bout à l'autre du monde. Ok, parfait. Et il est décédé en Jamaïque ou... Il est décédé à Londres en 1940. Là aussi, il y a eu beaucoup de débats parce que il y avait aussi une... il y a eu des luttes autour de son corps. Hein, le corps de Garvey, il est décédé à la période où il y avait des bombardements sur Londres. Son corps a été gardé pendant un certain temps dans une crypte un peu étrange, on va dire. Et en 64, le gouvernement jamaïcain a décidé de rapatrier donc ses restes pour en faire le premier héros national de l'histoire de la Jamaïque. Ce qui est totalement hypocrite puisque l'élite jamaïcaine n'a jamais reconnu Garvey comme étant un modèle, mais ils en ont fait le premier héros national. Et il a un mausolée que vous pouvez, bon, qui est en libre accès, hein, qui est en Jamaïque, qui est très intéressant du point de vue de la forme architecturale, puisque c'est une étoile, donc c'est l'étoile noire, c'est la Black Star de Marcus Garvey, et son corps est encastré donc, dans le cœur de cette étoile noire en Jamaïque, à Kingston. Ok. Parfait, donc ça c'est Marcus Garvey. Ça c'est Marcus Garvey. Et tu parles aussi de Du Bois. Du Bois, oui. Est-ce qu'il avait la même vision du Back to Africa qu'avait Garvey ou c'était différent? Alors, Du Bois, donc là on est sur une autre sociologie. Garvey c'est quelqu'un de populaire, c'est quelqu'un qui parle au peuple, c'est quelqu'un qui parle aux sentiments, c'est quelqu'un qui touche l'émotion, qui prend aux tripes. C'est vraiment quelqu'un de proche, de direct, de franc, voilà, quelqu'un d'imposant. Du Bois, c'est plutôt l'intellectuel noir qui a grandi en Nouvelle-Angleterre, dans le Massachusetts, dans un milieu plutôt blanc dominant autour de lui, qui revendique des racines très compliquées, alors que Garvey, moi je suis nègre, je suis africain, je ne suis pas jamaïcain, j'échangerai jamais un continent contre une île, c'est quoi la Jamaïque, moi c'est l'Afrique, etc. Garvey n'a jamais été en Afrique, Du Bois, lui, a fini sa vie en Afrique.
Et Du Bois, lui, se vantait d'avoir des origines haïtiennes, donc ça c'est très bien, plus française, Du Bois, irlandaise, hollandaise, bref, quelqu'un d'un peu cosmopolite, universaliste, entre guillemets. Donc il va être connu dans l'histoire comme étant donc, le premier noir docteur de l'université de Harvard, avec une thèse sur la suppression de la traite aux États-Unis, et qui va ensuite aussi être formé en Allemagne. Donc c'est quelqu'un qui va être formé notamment par Max Weber, donc grand sociologue allemand, et par von Schmoller, un autre sociologue allemand, et qui va ensuite revenir aux États-Unis dans les années 1896-17, va être le père fondateur de la sociologie américaine. Donc ça aussi, c'est des choses qui nous sont entre guillemets cachées. C'est-à-dire que celui qui a fondé la sociologie américaine, c'est Du Bois, c'est un noir américain. Mais aujourd'hui, quand on parle de sociologie, on cite d'autres noms qui sont arrivés après Du Bois. Du point de vue de la méthodologie, c'est lui qui est vraiment à l'origine, qui a fait les premiers travaux de sociologie américaine. Pourquoi il a fait les premiers travaux de sociologie américaine? Parce qu'il a été le premier à s'intéresser autrement à la situation des Noirs aux États-Unis, à leurs conditions de vie, de quoi ils vivent, comment vivent-ils, etc. Et donc il va faire beaucoup d'enquêtes sociologiques et sociographiques, notamment, qui vont donner naissance à des séries d'études annuelles au niveau notamment de l'Université d'Atlanta. Quand vous consultez des archives de l'Université d'Atlanta, vous avez les Annual Du Bois Collections, où chaque année, en fait, il vise un thème qui concerne la communauté noire, et tous ses étudiants, il les fait travailler sur ce thème-là. Donc on a par exemple toute une année où tous les étudiants noirs qui sont liés à Du Bois ont travaillé sur la famille noire américaine, ce qui nous a permis de comprendre comment fonctionnait la famille noire américaine, les problèmes, etc. Une autre année où c'était sur la religion, donc ils ont vraiment travaillé sur les églises, les réseaux, mais vraiment dans le détail, vraiment de la sociologie qualitative et en même temps quantitative, avec des échantillons énormes, ce qui lui aura permis d'avoir une connaissance parfaite en fait de la situation des Noirs aux États-Unis, donc vraiment le travail intellectuel. Et derrière ce travail intellectuel, un positionnement politique de Du Bois qui lui était plutôt libéral. Donc lui, il va plutôt accepter de travailler avec les milieux blancs, progressistes, alors que Garvey, lui, c'était hors de question d'avoir des blancs dans son bureau, etc. Donc Du Bois va être plutôt dans cette position-là. Et c'est dans ce cadre-là, notamment, qu'il va déjà dans un premier temps s'opposer ou avoir une position différente de celle de Booker T. Washington. Donc Du Bois plus élitiste, Booker T. Washington plus populaire, et Garvey, on va dire, plus populiste. Donc Du Bois... Tu peux expliquer populiste, populaire? Oui, alors... Populiste, c'est des personnes qui, en fait, utilisent... rebondissent en fait sur les attentes du peuple pour construire, on va dire, leur programme politique. Qu'est-ce que le peuple veut, je vais le lui donner. Et donc on dit ce que le peuple veut, etc. Ce qui donne l'impression au peuple d'être écouté, d'être entendu, ah enfin quelqu'un qui nous écoute, quelqu'un qui parle pour nous, etc. Populaire, c'est, quelqu'un qui n'est pas dans une logique d'accaparement des... on va dire, dans une logique clientéliste, mais qui est dans une logique de se donner... on va dire au peuple de manière indéterminée et inconditionnelle. Donc ça, c'était Booker T. Washington. Et élitiste, donc là, c'est plutôt des gens qui travaillent sur, on va dire, la partie dominante d'une catégorie sociale ou ethnique. Et donc Du Bois, en tant que, de par sa formation, de par son parcours, de par ses visions, était sur des lignes élitistes. Et donc en 1909, avec d'autres militants... progressistes blancs, notamment, et noirs, ils vont fonder ce qu'on va appeler le mouvement du Niagara, qui, deux ans plus tard, va donner naissance, sous une forme un peu différente, avec d'autres personnes, à la NAACP, la National Association for the Advancement of Colored People, qui est la grande organisation noire américaine de défense pour les droits civiques, qui va ensuite mener, je dirais, un certain nombre de combats concernant donc la lutte contre la ségrégation et la politique américaine de manière plus générale. Mais Du Bois, en tant qu'électron libre, en même temps qu'il a ses activités donc intellectuelles et institutionnelles, va accompagner les différents congrès panafricains. Et il va se poser d'une certaine manière comme le pôle adverse de Garvey. Tant et si bien que lorsqu'il y aura les cérémonies de l'indépendance du Liberia, les autorités américaines vont dépêcher Du Bois
pour éviter justement que ce soit Garvey qui prenne la place. Et donc Du Bois va être un peu, je dirais, utilisé sous certains aspects par les autorités américaines. Tout en sachant qu'entre Du Bois et Garvey, il y avait aussi des tensions qui étaient précisément liées à tout ce que j'avais dit précédemment sur les questions de colorisme qui renvoyaient en fait à des positions sociales. Alors celui qui est plus clair, il est plus haut dans l'élite, et celui qui est plus foncé, il est plus bas, donc comment l'interpréter, etc. Tout en sachant que c'était totalement faux, puisque dans l'UNIA de Marcus Garvey, il y avait énormément de métis. Il y avait une grande proportion de métis. Donc ça aussi, c'est des éléments qui doivent être vraiment, défigurisés. C'est-à-dire que très souvent, on lit le panafricanisme à travers les figures dominantes, alors que dans les mouvements portés par ces figures dominantes, la situation est autre. Voilà, donc c'est des éléments très importants. Et donc Du Bois donc, accompagne les différents congrès panafricains, il est présent à tous ces congrès-là. Et au tournant des années 1930, il va opérer un virage à gauche. Il va devenir marxiste, donc il va beaucoup s'intéresser à l'URSS, à la Chine, il va faire beaucoup de voyages en Asie. Il va beaucoup travailler sur le rapprochement entre les luttes noires, africaines et asiatiques. Donc il va développer un internationalisme alternatif, très intéressant. Et je finis sa biographie, puis je reviendrai dans d'autres éléments de sa vie. Et donc en 1945, quand il y a le 5e congrès panafricain à Manchester, c'est lui qu'on mandate pour faire parvenir un texte au niveau des Nations Unies. Et Du Bois sera censuré. Après la Seconde Guerre mondiale, il va aussi se rapprocher vraiment des mouvements communistes, ce qui va lui valoir d'être assigné à résidence pendant un certain temps. Donc les autorités américaines vont lui confisquer son passeport pour l'empêcher de voyager. Et vers la fin de sa vie, on lui rendra son passeport et il ira s'établir au Ghana de Nkrumah, où il va mourir à 95 ans. Et dans les dernières années de sa vie, il meurt la veille de la marche sur Washington avec Martin Luther King. Et dans les dernières années de sa vie au Ghana, il a travaillé sur un projet qui est très important, qu'on essaie actuellement de relancer, qui est le projet de l'Encyclopédia Africana. L'Encyclopédia Africana, c'était un projet de mettre dans un même lieu matériel, enfin livre ou autre, l'intégralité des connaissances qui sont liées aux mondes africains. Donc vraiment une encyclopédie africaine. C'est une sorte de pré-afro-wikipédia, pour vous donner une idée. Donc là, actuellement, on est en train de voir comment on peut relancer ce projet extrêmement intéressant à partir justement de ce qu'il avait laissé à l'époque et de ce qui peut être repris aujourd'hui. Oh,